Bienvenue dans les principales exportations de sirènes. La principale source de richesse de sirènes fut la culture et l'exportation du pavot et du silphion. Si l'opium extrait du pavot était également exporté, on ne sait que peu de choses sur cette culture. En revanche, on en sait beaucoup plus sur celle du silphion. Le silphion, plante à fleurs jaunes, était considéré comme un don du dieu soleil. Il poussait exclusivement dans cette région proche de la Méditerranée et l'extrait de silphion était exporté à prix d'or. Pour Cyrène, son importance économique était telle qu'il figurait sur ses pièces de monnaie. La racine de silphion produisait une résine que les Grecs et les Romains employaient dans divers remèdes, de la toux à l'indigestion en passant par les fièvres. Elle était également employée comme contraceptif. Cette herbe était aussi utilisée en cuisine, comme l'indique un recueil de recettes du 4e siècle avant notre ère, notamment pour une préparation de flamants roses. La surexploitation due à la demande et les évolutions climatiques entraînèrent progressivement la disparition du silphion. Les dernières mentions de silphion datent du 4e siècle de notre ère. À ce jour, on n'a retrouvé aucune trace de cette plante.